Deviens pétain, mon chien, on bougera plus que là. Ouais, alors on n'est pas hyper nombreux ce soir, mais en fait hier il y avait encore plein de monde à Pleurmel et partout dans le Morbihan. Et je pense que vraiment il faut pas que voilà, il faut qu'on trouve un mode d'action, quelque chose pour continuer à montrer qu'on est toujours contre cette réforme. Et voilà, elle est votée. On se doute bien que notre roi va la promulguer demain ou après-demain. Voilà, il souhaite rencontrer les syndicats mardi. Bah, voilà, on verra, mais on espère qu'ils n'iront pas. Enfin, voilà, nous c'est pas. Voilà. Donc, il peut peut-être, il peut ne pas appliquer certaines choses. Il y a Paul qui arrive, peut-être on peut lui donner la parole. Mais sinon, qui veut prendre la parole là, sur les suites? Mais évidemment, comme d'habitude, on attend toujours un peu ce qui descend de la mobilisation nationale pour se calquer un peu dessus. Mais il faut que sur Pleurmel, on continue à se réunir, à faire des rassemblements, des actions, parce que voilà, on est toujours contre. Alors après, c'est toujours compliqué de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ça fait quand même 3 mois qu'on est dans la rue et qu'on nous entend pas et que on n'est pas entendu. C'est, je pense que tout le monde est très 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 en colère, mais voilà, très déçu. Bon, je te passe la parole, Paul. Oui, alors on n'avait pas, si vous voulez, de grandes espérances par rapport au Conseil constitutionnel, évidemment, puisqu'il est relativement du côté plutôt du manche de la pioche. Et alors, par contre, on regardera quand même ce qu'il dira dans le détail, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des choses à en tirer. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'il a validé le RIP ou pas? Non. Ah, il n'est pas validé. Alors, on est déjà en train d'en refaire un deuxième avec les camarades, en particulier Pierre Dharréville, donc un camarade communiste. Et bon, on verra bien. Et puis, bon, on n'a pas l'intention non plus de caler, donc on verra ce que l'on fera par la suite. Ça dépendra aussi de, bien sûr, de la mobilisation sur le terrain, puisque quand on est un peu efficace, il y a évidemment une demande sociale qui est reliée par un certain nombre d'élus. Et ça a été le cas jusqu'à maintenant. Donc on a réussi à, je dirais, alors leur mettre des bâtons dans les roues. Et en particulier, je pense que le meilleur coup qu'on ait fait, c'était en fait la motion de rejet lorsqu'ils ont ramené la loi à l'Assemblée. Parce que là, ils ont été obligés de mettre en place le 49-3. Parce que la motion de rejet était majoritaire. Ce qui veut dire que cette réforme n'a pas l'aval des Français, n'a pas l'aval des syndicats, n'a pas l'aval non plus de l'Assemblée nationale. C'est pas pareil, une motion de censure, c'est plus compliqué, puisque seuls ceux qui sont pour la motion de censure sont comptés. Tous les autres, il n'y a pas d'abstention possible. Donc, évidemment, et puis le symbole n'est pas le même, puisque vous votez pour faire tomber le gouvernement. C'est pas la même chose que d'empêcher une loi de voter, en tout cas, d'empêcher une loi d'être votée, en tout cas pour certains d'entre nous. Certains, par exemple, voulaient bien voter une motion de rejet de la loi, mais pas une motion de censure du gouvernement. Donc, voilà où on en est. On va continuer à combattre avec ceux qui sont contre cette loi injuste et, il faut bien le dire aussi, inefficace. Donc cet après-midi, Emmanuel Macron a déclaré que tenir le cap, c'était sa devise. Eh ben, ça doit être la nôtre aussi. Nous, on a un cap qui est le retrait de cette loi. Ça doit être notre devise et ça doit continuer. Comme lui. Pour une fois, on est d'accord. Pour une fois, on est d'accord avec lui. Nous aussi, on va tenir le cap. À Pleurmel comme ailleurs. Donc voilà, ben là, lui,
micro est ouvert parce que c'est bien beau de dire tenir le cap, mais là, on est encore un peu assommé, voilà, une fois de plus, hein, dans notre volonté de démocratie et de justice sociale. Donc, le micro est ouvert. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait pour continuer à se faire entendre et à tenir notre cap, nous aussi? Il faut leur faire peur, en fait. Faut que les gens, faut que le gouvernement, ils en ont marre, et faut que les bourgeois, ils tremblent, sinon ça marche pas. Voilà. À un moment, faut dire les mots. Et puis. Ouais, voilà. À Rouen, à Rennes, ils font des villes mortes comme ça. Ils bloquent toute une journée. Ils bougent pas. Ça mobilise les flics. Ça les fait chier. Nous, ça montre qu'on peut s'organiser, qu'on peut discuter ensemble, qu'on peut faire des trucs. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est comme ça qu'il faut qu'on s'organise. Parce que si on reste juste à faire des petits rassemblements statiques, au final, on s'épuise et on a l'impression de pas avancer. Donc, voilà. Je vous invite, en tout cas, si vous êtes motivés, à bouger à Rennes demain, parce que ça va être une belle manif, à mon avis. Et sinon, on se retrouve sur les prochains blocages et les prochaines manifs ici et on essaye de s'organiser. Voilà. Je vais rien apporter de nouveau en proposition, je voulais juste faire un petit bonjour. Non, moi je voulais juste dire que bah, en fait, cette réforme des retraites aussi, c'était un combat écologique un petit peu. Puisque comme vous le savez, on fait face à notre monde économique qui est face à la nature, enfin la nature entre guillemets. Et c'est vrai que travailler moins longtemps a été une belle avancée pour notre du fait de moins de production. Voilà. Et en fait, tout ça pour dire que lâchez rien, parce que c'est important, et qu'on a besoin de rameuter du monde, en fait, pour se faire entendre. Voilà. Ne faisons pas nos extrémistes, restons quand même ouverts, et puis essayons de partager autour de l'écologie. Peut-être que ça pourrait faire bouger d'autres personnes, autrement que par le social, et pour une autre bonne cause. Voilà. France ? Eh ben non, il nous l'a... Donc cette loi va passer. Mais moi, ce qui m'embête le plus dans cette loi, parce que même si elle passait pas, j'étais dans le spectacle, on est à peu près... Enfin, on a un bon pourcentage à être voué au minimum vieillesse. C'est-à-dire rien. En plus, c'est nos enfants qui paieront. Ce qui m'embêtait le plus, je parle au passé... Dans cette loi, c'est que il y avait cette idée que on cotisait pour notre gueule, pour qu'on accumulait des droits qui allaient nous servir à nous. C'est-à-dire qu'on était toutes et tous, chacun dans nos vies, en train de préparer ce moment ultime où nous allions pouvoir être libérés de l'emploi pour bénéficier de ces cotisations. Et ça, c'est dégueulasse. C'est pas une société qu'on crée comme ça. Le droit à la retraite, c'est le droit à être libéré de l'emploi au moment où ça se passe. C'est-à-dire que quand on cotise pas pour sa gueule, on cotise pour qu'on vive dans une société. Quand on est vieux, on n'a pas besoin de courir les agences d'intérim et autres.